putaclic, tu ferais 3 vues, donc... Oui, c'est vrai. Bon, alors Là, les tu packs de vois. droite, de toute façon, ils sont tout de suite là, donc on va les... Bonsoir. Bon, ça va, le mage... Le mage tient. Là, faut focus le gobelin, essayer de faire en sorte qu'il ne rentre pas dans son robot. C'est le jockey? C'est le jockey mécanique, ouais. En fait, il a une attaque que tu peux que tu ne peux pas le que tu ne peux pas cut. C'est une attaque où il faut le stun ou le contrôle pour l'arrêter. Et en fait, il va essayer de rentrer dans le mecha. Évidemment, c'est une perte de temps parce que le mecha, donc normalement c'est censé être un sac à PV. Donc t'as pas envie qu'il rentre dedans. Ah non, ça casse les couilles, je comprends bien. Je sens que ma tornade va aggro. Je le sens. Et d'ailleurs, ton truc, je l'ai vu avec ta vidéo. Mais ça prend tout l'écran. Mais ça prend tout l'écran la tornade, c'est un truc de ouf. Hein. Toujours pack de droite. Là, c'est là. Je sens mal. Ça va, je suis pas seul au DPS. Tout droit. Là, pareil, jockey mécanique. Tu sais ton contrôle. Ton truc qui est. Voilà, ça a été cut. Là, on le déboîte. Nickel. Pas de méca pour l'instant. J'étais prêt à le faire en plus, hein, les vêtements. À gauche ou à droite? Et là, donc, gauche ou droite, comme tu veux. Quand tu sais pas. Effectivement, t'es vraiment pas seul au DPS. C'est aggro derrière quoi. Jockey mécanique toujours. J'ai l'aggro du jockey. Il est monté dans le mecha. Ta grand-mère, j'ai plus aucun aggro. Que le druide revienne là, je sais pas ce qu'il branle, mais. Oh, il a mis 8 ans à revenir. Vas-y, reprends la drone. Et là, faut aller à l'intérieur du bouclier ou à l'extérieur? Ah non, non, c'est pas lui les dents. Qui se protège. Oui, c'est lui qui se protège. Là, faut retuer le gobelin. Je comprends pourquoi il faut essayer de tuer le gobelin avant qu'il rentre dans le mecha. Parce qu'il est monstrueux son mecha. Bah il est chiant, c'est un sac à PV quoi, voilà, c'est une perte de temps énorme. En face? Ouais. Arrêtez de me reprendre l'accro. Insupportable, insupportable. Ah, là on passe là, on fait le pack là. Là la strat pour le boss elle sera simple, c'est en gros bah tu tankes le boss, et tu lui fais faire le tour de la map, j'ai l'aggro du mob sinon.
Tu lui fais faire le tour de la map. À chaque fois que tu vois qu'il laisse passer des pièces d'or. Parce qu'en fait le... Tu les ramasses ou tu lui fais tu le fais passer dessus? Non, tu l'empêches de ramasser l'or. Faut l'empêcher de ramasser l'argent. Dès que tu vois qu'il y a de l'argent qui tombe, tu l'écartes. MDR. Donc là, voilà. C'est les trucs dorés là? Non, ça se voit quand même un peu. Non, là, pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y a personne qui fait la strat. Ah, voilà, là, tu vois l'or. Là, maintenant, bouge-le. Partout. Et si tu marches dessus, ça te donne pas d'or, évidemment. Putain. Putain, dommage, j'ai pas fait de critique avec la frappe mortelle. J'ai fait un coup normal avec la frappe mortelle à 60 000. Hein. Imagine si ça avait été critique. Ah. En effet. Et parce que tu sais, sur ce boss, en fait, la strat, c'est que tu dois le debuff avec les ballons de foot. Oui, pour les DPS. Du coup, tu fais des DPS mais monstrueux. Si tu fais pas ça, tu le tues jamais parce qu'en fait, il a 10 fois trop de PV. Mm-hmm. Du coup, en fait, il y a moyen de rigoler avec le recount. Là, tu vois la frappe mortelle non critique à 60 000, tu vois. Par exemple. La bonne blague, hein. Là on prend pas les trucs, là tu prends le pack devant toi. Ok, ici. Aïe. Là tu prends le pack, là le pack de devant. Non, toi tu suis fou. Bah là. Non, c'est pas par là gros. Ah oui, non, c'est en haut. Ah, mais parce qu'il y a l'XP là, non? Ah oui, mais c'est pour ça. Non, on va pas faire les... On va pas faire l'XP en... Donc je m'en ai même plus. Surtout que d'ailleurs, ça marche pas, les expéditions en MM+. Ah bon? Non, ça marche pas. Bon, du coup, je prends celui qui est à gauche ou à droite là. Ah merde. Après, le pack de gauche ou de droite? Droite. De glace là, c'est le mage. Oui. Aïe. Mais what the fuck. Attends, Je te raise. Non mais j'avais encore un orteil dans la OE. Je me fais one shot. Bon, là, on les évite et on va chercher les autres. Là, ici, il n'y a pas besoin d'esquiver là-haut, il suffit juste de faire des kicks.
y a un kit de fait, il n'y a pas d'AO. C'est vraiment, mais il faut bouger tout le temps sur ces packs de merde. C'est carrément insupportable. Quoi? Mais gros, regarde mon heal, j'étais à 4000 de heal. Là franchement, la dernière explosion, elle m'est vraiment tombé sous les pieds quoi. Pour le coup, j'ai esquivé une autre pour que l'autre me tombe dessus. C'était pas très cool. Je prends les donc deux. Là, faut prendre les trucs. Il faut contrôler. Bon. Bah, ça sert à rien. Là, faut faire les ads en prio. Les enragés suivent des DPS. Pardon. C'est pour ça qu'il faut les tuer rapidement. Voilà, là, il va déchaîner la puissance sur personne, puisqu'il n'y a plus d'âme. Il ferme sa gueule. Temps que je récupère l'avro qui me veut ma mort à moi. Pardon. Qu'est-ce qu'ils ont de la vie quand même ces boss? Oh, il y a un coffre. Ah non, c'est un chariot, oui, c'est vrai. Putain, j'ai vraiment pas de. C'est le chariot. Ouais, comment tu veux appeler ça? Alors là, tu prends le pack. Tout à gauche, là les sujets d'expérimentation, tout à gauche. S'ils le veulent bien. Là, faut se déboîter le cerveau. Putain, il fait super bien les dispels le heal. Hein. Il devait être sur moi je pense parce que il m'a dispel mais instantanément. Là on continue. On va prendre les rares. Sujets, là. On prend les rares. Ça a rien à voir l'agro sur ces bêtes. Il y en a un qui va se ramener. Ah non. Il faut le cut.
pas de blind. Pour faire le kéké, mon gars, pendant la vidéo, genre en une petite image à côté, tu vois, je mets une image du clavier avec mes doigts, par exemple. Genre en direct. Mais alors là, c'est vraiment le kéké youtubeur Kevin. Ça a genre zéro intérêt. Normalement, en fait, les gens qui font ça, c'est souvent les gens qui sont un peu chauds au FPS pour prouver donc qu'en fait ils sont pas en train de cheater. Ouais, mais enfin là t'as quand même beaucoup plus de boutons que sur un FPS. De toute façon, ça n'existe pas les cheaters sur WoW donc. Non, c'est juste comme ça. Parce qu'en fait on s'en rend pas bien compte, mais quand même les doigts ils bougent vite. Tout le monde! Comment ça, insensibles? Ils sont insensibles au renversement, ceux-là. Il y en a qui le sont. Ta mère, elle est insensible. À voir. Non, je ne veux pas le savoir, justement. Rien à faire sur ce boss, tu l'attends, et c'est tout. Merci. J'aime avoir de belles instructions de cette manière. Ah non, mais il y a rien sur ce boss, rien du tout. À part qu'elle pique quand même. Juste évidemment, ne t'amuse pas à rester dans les AOE. C'est à peu près tout. Il est flac. Aïe. Viens ici. Attention. Tu veux pas genre. Mais normalement le but c'est qu'elle fasse l'aspirateur sur les plaques histoire de les dégager. Ah. Exact. J'ai pas remarqué que l'aspirateur justement aspirait les plaques. Enfin c'est plutôt l'inverse d'un aspirateur, c'est plutôt un souffleur, ouais. Plutôt un souffleur. Voilà, faut la bouger par contre, gros. Quoi, elle était très bien là où elle était? Ah oui, pas bien. Je vois pas où est le problème. On va me pousser dans les flaques, pute. Pas beaucoup de dégâts quand même en mono. Non. 4002, je sais pas, c'est pas fou quand même. Voilà, donc là on va prendre lui. Moi j'ai l'impression que les bombes ça te one shot. Parce que c'est plus ou moins le cas. Et là tu prends les deux qui sont là. Ah putain, je suis tombé comme une merde. J'ai fait la même.
prend lui et on va aller prendre le mecha de là-bas également. À vouloir trop faire l'amour au mur, on se retrouve à tomber comme, une, comme des merdes. Donc c'est quoi ce sac à PV quoi? Ah d'accord, en fait j'étais tout seul sur lui, je comprends. Oui, on finissait l'autre d'abord. Et là, on ne prend pas le mecha, on fait un tout droit jusque... Prends l'agro. Et viens faire un tout droit. Bon, attends, ça marchera pas. On fait cela parce que là, ils ont pas envie de bouger de toute façon. Ça a touché aucun doute. J'ai voulu faire sur les deux, ça a touché aucun doute. Nickel. Attends, on va attendre que le mecha bouge alors. Normalement ça passe. Normalement ça passe s'il bouge le cul. Ça va, c'est passé. Ils sont tous insensibles au renversement. Il y en a un qui me fait vraiment très mal. Parce que ça doit être... J'essaie de diminuer ta charge de mob. Et il reste le boss final, qui est Zimonet. Bon, on va peut-être faire une plus 2 du coup dessus. Alors, au début, lui, tu le tankes vers l'entrée de la salle, et après vers le fond de la salle. Tu comprendras pourquoi. Donc c'est là, parti. En fait, en gros, au début, tu le tankes là où on est. Maintenant tu peux l'emmener de l'autre côté, après la mitraillette. Bon, il veut pas bouger, hein. Il prend le temps. Ouais, s'il va bouger. Mitraillette, attention. Le gros calibre. Le gros prends calibre. La bite, hein. Aïe. C'est pour ça que je t'avais dit de l'emmener vers le fond. Alors là, on chope les ZAD. J'aime bien parce que je ne peux pas garder l'aggro en fait. Le match, faut qu'il aille sur le truc. Ok, il y va. Et prendre cher. J'avais pas vu qu'il était redescendu de son bordel. Hein? Enfin, j'avais pas vu qu'il était redescendu quoi. Putain, mais il a pris que deux poteaux. Bah oui. J'ai pas compris.
J'ai une bague pour toi. Hâte maîtrise. Bah, j'ai récupéré des poignées, écoute, c'est. Ah oui, putain, ta bague. Oh, il a chopé la même. Bah, merci beaucoup, gros.